Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch première génération, iPod Touch deuxième génération, iPhone première génération et iPhone troisième génération sous le firmware 3.0, le 7A341. Je pense que c'est ça, oui c'est ça, 7A341. Alors comme vous pouvez le constater, je suis au firmware 3.0, si je tourne à gauche, j'ai ça et tout. Puis je vais vous montrer comment le jailbreaker pour avoir Cydia et ici, qui est le second installer. C'est ça, ça permet de jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone. Pour l'iPhone première génération, ça va le desimlocker en même temps. Donc pour ceux qui veulent le desimlocker, vous pouvez le faire. Puis tout ça, ça va être avec Red Snow, le nouveau Red Snow 0.7 que la DFT m'a sorti. Alors on va faire ça. Premièrement, vous devez télécharger deux choses sur votre ordinateur. Tout d'abord, vous devez être au 3.0. Si vous n'êtes pas au 3.0 sur votre iPod Touch ou iPhone, allez dans la description à droite en cliquant sur « Plus d'infos » sur YouTube et vous allez voir une vidéo qui vous montre comment aller au 3.0 ou au pire, c'est en bas, juste en bas sur mon site internet. Dans la description, vous allez savoir comment. Là, j'ai installé le 3.0, j'ai fait la première étape. Deuxième étape, c'est de télécharger le firmware 3.0 de son appareil. Moi, j'ai un iPhone 3e génération. Donc, j'ai téléchargé le firmware de l'iPhone 3e génération. Le firmware 3.0. Encore une fois, c'est dans la description à droite du vidéo si vous êtes sur YouTube ou juste en bas si vous êtes sur mon site internet. Et vous téléchargez le firmware. Par exemple, sur YouTube, ici, il y a des liens. Admettons, on veut le lien du iPhone 3G. Alors, on clique dessus et on enregistre ça sur le bureau de son ordinateur. Alors, pour l'iPod Touch 1G, ça va vous emmener sur un site différent, sur Deposit File. Puis là, vous devez juste cliquer sur Free Downloading ici. Puis là, vous attendez 60 secondes, puis vous le téléchargez. Par la suite, le deuxième téléchargement qu'on doit faire, c'est celui de RapidShare. Encore, c'est dans la description à droite, si vous êtes sur YouTube ou en bas, si vous êtes sur mon site internet, c'est de télécharger le Red Snow 0.7 de ICAP, c'est-à-dire de moi. Alors, vous cliquez sur Free User quand vous arrivez sur RapidShare. Free User, la cadre en gauche, juste en bas. Free User. Et là, vous entendez 34 secondes. Alors, on va attendre ce délai-là. C'est ça, on a téléchargé le firmware. Puis il manque juste Retino, puis après on peut commencer le jailbreak. C'est ça, comme j'ai dit, il faut être déjà au 3.0. Alors c'est ça, j'y suis au 3.0. Alors on attend juste un peu. Il reste 5 secondes. Par la suite, quand les 34 secondes seront finies, vous cliquez sur Download dans le milieu. Et vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Donc, j'enregistre sur le bureau, desktop, enregistrer. Et là, ça s'enregistre. Moi, c'est un accélérateur de téléchargement, c'est pour ça que ça va un petit peu plus vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Download Accelerator Plus. Alors, ça peut y aller plus vite quand vous téléchargez surtout. Là. Alors, il faut juste attendre une vingtaine de secondes. C'est 10 mégs à peu près. On peut fermer la fenêtre derrière ici, de RapidShare. Juste la fenêtre de téléchargement qui travaille. Puis par la suite, ça sera sur le bureau ici. Alors, le Red Snow, ça va être pas un quick pound. C'est comme le jailbreak du iPod Touch 2e génération. C'est le même principe. Sauf que c'est un peu différent là, parce qu'on a téléchargé un firmware, puis je vais vous montrer comment l'utiliser. Ah ouais, bientôt terminé. Deux secondes, une, et il est terminé. Là, on a notre Retino 0.7 ici app. C'est un fichier compressé .zip, alors il faut le décompresser. Alors, faites droit de la souris. Extraire tout, extraire, ou en tout cas quelque chose qui est marqué extraire ou décompresser, ça décompresse. Là, voilà ce que vous devez faire. Ben, supprimer le dossier compressé, là, on n'a plus besoin. Alors, je supprime. J'ai mon dossier, là. Ouais, c'est ça. Ouvrez-le.
Et vous allez avoir... Attendez, là, je vais juste glisser ça, enlever ça. Bon. Quand vous allez l'ouvrir, le Retina 0.7 CIAP, vous allez voir deux fichiers. Un fichier texte, c'est marqué par iPod Touch Is a Pro, puis l'autre, c'est Retina. Là, ce que vous devez faire, c'est glisser votre firmware. OK, premièrement, votre iPod, il doit être branché sur votre ordinateur, puis iTunes doit être fermé. OK? Alors, l'iPod Touch ou iPhone, il est branché sur l'ordi. On le voit en ce moment, il est branché. Et on ferme iTunes. Puis votre iPod doit être ouvert. C'est bon? Alors, je prends le firmware 3.0 de mon appareil et je le glisse sur le Retina. OK? C'est important. C'est sur le Retina qu'on le glisse. Alors, je vous montre. Je le maintiens, je le glisse sur Retina et je relâche. Et là, il va commencer à travailler. Là, ça vous dit connecter votre iPod en DFU mode. Alors, on va le faire ça. Comment mettre un iPod en DFU? Je vais mettre un petit peu de lumière. C'est simple. Vous devez maintenir pendant 5 secondes le bouton du bas. Par la suite, sans le relâcher, vous maintenez celui du haut pendant 10 secondes, les deux en même temps. Puis après les 10 secondes, vous relâchez celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que votre ordinateur fasse le bruit d'un détectement d'un nouvel appareil. Alors, on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche celui du haut jusqu'à temps que celui que l'ordinateur le détecte. Et voilà, on peut relâcher. L'ordinateur l'a détecté. Je reprends la caméra. Et là, une fois qu'il est en DFU mode, iTunes va s'ouvrir ou peut-être pas. En tout cas, si iTunes s'ouvre, fermez-le. Je pense que Retina l'a empêché de l'ouvrir, fait que c'est bon. Puis là, vous devez appuyer sur n'importe quelle touche. Fait que appuyez sur la touche espace. Là, ou entrée, là, comme vous voulez. Alors, faites Enter. Laissez faire. Bon. J'ai fait Enter. Là, on voit bien qu'il travaille. Download les kernels. Voilà, voilà, il travaille. Et là, notre iPod, il devient blanc. Là, ça se peut que vous voyez des couleurs. C'est juste parce que moi, j'ai un miroir pour, sur mon iPhone. Là. Puis là, ça fait des rayons multicolores là, à cause de ça. Alors, download Jailbreak Data. Là, je vais faire pause à la vidéo parce que ça va prendre un certain moment. Et quand votre Jailbreak sera fini, refaites play à la vidéo et on va continuer. Alors, faites pause. Et voilà. On voit que Retina, il s'est éteint. Donc, il a terminé. Et l'iPod aussi. Oh. On déverrouille. Attendez, je vais juste mettre la luminosité. Et voilà, si on tourne à droite, on voit Cydia. Alors, je vais ouvrir Cydia. Par la suite, si vous voulez IC, là, le programme ici, vous devez uniquement le télécharger sur Cydia. Alors là, on va ouvrir Cydia. E-Respring. Et voilà, on déverrouille. Et là, on va réouvrir Cydia. Et là, ça va vous poser qui êtes-vous? Ah, en passant, il est en français. Oh que oui. Alors, certains des paquets disponibles, blablabla. Moi, je prends que j'ai pas de filtre. Alors, je prends le dernier développeur. Je suis pas un développeur, mais. Vous voyez, il est en français. Annulé à propos, catégorie nouveauté, gestion, recherche. Alors, c'est. Cydia en français. Comment ils savent qu'ils vous le mettent en français? C'est parce que votre iPod il est en français. S'il est en anglais, changez la langue, puis votre Cydia va changer avec. Rechargement des données. Bon, ça vous dit de faire des mises à jour, alors je vais les ignorer temporairement. Alors, vous pouvez faire les mises à jour aussi.
puis vous avez un iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.0. Alors, c'est iPod Touch is approved. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapproved.com. N'oubliez pas de mettre des commentaires et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.